Bonjour la famille. Bien le bonjour à vous. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je regarde sur mon téléphone si je peux partager le direct. Parce que ce qui fait la force de tout ce qu'on fait là, c'est le partage. C'est grâce au partage que les autres personnes s'informent. Si à chaque fois qu'on fait quelque chose, on le garde pour nous, alors ça n'irait nulle part parce que ça va caler entre nous. Ça va caler entre nous. Alors que si on partage, ça va arriver chez beaucoup de personnes. Il y a les gens qui se plaignent que le combat n'avance pas. Mais le combat n'avance pas parce qu'il n'y a que toi et les enfants de ta mère qui connaît que M. Bia va partir. Mais est-ce que ton voisin connaît que M. Bia doit partir? Il ne connaît pas. Il ne sait même pas de quoi tu penses. Voilà, je pense que entre nous, on doit avoir l'habitude de... Le premier geste, c'est de partager. J'ai souvent l'habitude de... Quand je regarde un truc qui a le Congo, ça, je vois que subitement, ça ne va rien construire. Mais la personne... À chaque fois que la personne se connecte, mais il a tellement d'abonnés que je dis, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas que la libération de notre pays passerait par nous tous. Par nous tous. Par tout le monde. Il n'y a personne qui va dire je vais me mettre à l'écart. Ça n'existe pas. La libération de ce pays-là, on va le faire avec tout le monde. Parce que il y a des Camerounais qui pensent qu'on va construire le Cameroun sans ceux qui sont aussi au gouvernement. Et c'est là où beaucoup se trompent. Beaucoup se trompent à ce point-là. Partageons le direct, comme ça atteint les personnes, même les plus reculées. Voilà, ça va aller très loin. Et ça va atteindre d'autres personnes qui seront plus loin. Voilà, je vais rendre hommage ici à un frère. Un frère, musicien, chanteur. Tous les noms que vous pouvez le donner. Qui chante depuis peut-être 2000, 2001, 2002. Mais beaucoup de personnes ne le connaissent pas parce que quand on chante toujours en patois, ça calque au village, quoi. Il y a des gens qui disent, ah, qu'est-ce qu'il dit là-bas dedans? Ils ne comprennent pas. Mais pour nous, les villageois, c'est fait pour nous. Parce que ça, quand c'est en français, on est aussi obligé de demander encore à celui qui parle français que on a dit quoi là-bas. Voilà, donc je vais mettre aussi la musique. Vous allez aussi me demander ce qu'il dit là-bas dedans. Prêtez attention, hein. Père son âme, il est déjà enterré. Que la terre de nos ancêtres le soit légère. C'est pas facile. Vous savez. Et mes condoléances les plus sincères aux familles attristées et aux personnes qui sont plus proches de lui. Ou aussi aux personnes qui aiment sa musique comme moi. Et mes condoléances aussi aux familles, à tous ceux qui ont perdu un membre cher. Alors, en général, à tous les Camerounais qui ont perdu la vie à la falaise. À la falaise de Tchang. Parce que la falaise de Tchang, c'est entre Tchang et Bansoa. Et tout ce mort-là. Mais il y a des personnes qui ne vont pas comprendre que c'est la faute au gouvernement. Quand on dit qu'il faut une route à deux voies ou à sens unique, les gens ne comprennent pas trop ça. Vous ne pouvez pas les expliquer. Vous savez, nos messages n'atteignent pas trop les villageois. Ils ne comprennent pas trop ce que ça veut dire. Voilà pourquoi je vous dis d'habitude. La lutte, ce n'est pas la précipitation. On va doucement.
Si on ne va pas doucement, le peuple ne va pas comprendre. Vous allez voir que quand il y a un petit truc, on dit, oh voleur, le peuple dit seulement, oh voleur. Il n'a pas compris. Il ne cherche même pas à interroger ce voleur-là. Pourquoi il a volé? Donc avec le peuple, on va aller tout doucement. Sinon, on va tous les perdre, comme beaucoup se perdent déjà dans le combat, et qui ne comprennent même pas ce qui se passe. Voilà, je vous mets un peu sa musique et c'est pour le rendre hommage. Oui, c'est toujours moi, l'aide des nationales juste et Kogouan, le président du poste islamique otage. Toujours imité mais jamais égalé. La banane qui va mûrir, même dans la glace, finit toujours par mûrir. Souvert. À chacun son destin, l'on propose et Dieu dispose. Yo donc aimé en vie, pour la demande dans nos changas. L'incontournable est libéré faux cochon. Chacun son destin, l'on propose et Dieu dispose. Yo donc aimé en vie, pour la demande dans nos changas. Mais que la liberté vive. On va t'aller pas, son entend, on va t'aller pas, mais ça va, j'en vais, gros et cash, mais donc, et d'ailleurs, mais. Papa, t'as pas, on va t'aller pas, yo, man, t'as pas, on va t'aller pas, mais tu m'as toi, n'a pas que goût, mais mec, elle a qui va t'aider. Chambre, c'est t'as pas, on va t'aller pas, yo, man, t'as pas, on va t'aller pas, mais non, t'as et ton tu j'attends, mais donc, et d'ailleurs, mais. Jean-Michel Grenier, sans mot de fréquence, à chacun son destin. Chacun son destin, si nos pensées étaient réalistes, à jamais personne ne veut souffrir ici-bas. Même en mort city, c'est si mais jamais là, la même pas peu ouan ou si tcha, même pour ouan tcha ou l'eau. Si les hommes étaient tous pauvres ici-bas, il y aura pitié de l'autre ici-bas. Et si les hommes étaient tous riches ici-bas. Besoin de l'autre, comme elle a la même base au moins d'aussi, même pour l'ombre. En réalité, lorsqu'il s'agit de notre destin, il n'y a point d'amitié, il n'y a point de famille, même si nous sommes des jumeaux. Il est individuel le destin. Franchement, cultivons nos efforts de là-bas, il n'est jamais trop tard ici-bas. Chacun devrait le prendre au sérieux, comme pour rien Emmanuel, en donnant le meilleur de lui-même, quel qu'en soit son bon social. Même si tu es pour se faire le bien, il n'est jamais trop tard. Même si tu es Joe, puisse faire le bien, il n'est jamais trop tard. Si tu es chanteur, fais le bien, il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas de saut métier, ton talent est caché, caché derrière ton destin. Monsieur Kylé Gabriel, dégâts éclairage. Chamamelin, Monsieur Babou Colbert, Jaco Cabo, Bromelin, Samamelin, Madame Diapole Valérie, librairie Romy au Gabon. Oh, mais que la qui va te faire. À chacun son destin, l'on propose et Dieu dispose. Yo donc aimé en vie, on a deux mondes dans l'eau jangwa. Mais que la liberté. Tcha tcha tcha, tcha tcha. Madame Jonas Sidoni, la diplomate. Tcha tcha tcha. Richard Le Grand Nouveau.
J'avais longtemps souhaité jouer au ballon comme ça fait Aurélien Tchèche. À chaque son essai, mais voici je suis chargeur. Papa Captain André, je suis à ton hôtel. Tu devrais la wake up à l'autre, tu vas voir que elle est Berlin. À chaque son destin, mon d'avoir qui me d'a duré. Africa Foucault, PLC, yo man est dans ce bambou, ton bonheur ne wake up pas qui veut rouler. Chef gentil, mais que la qui me tient, que nous vivons dans le bon tombé. Bonne nuit, ça ne te fait plus. On fait tous la même chose, mais on n'aura jamais la même chance. À chacun son destin. Monsieur Kennedy, je te plaît. Nous sommes tous musiciens, mais on n'aura jamais le même succès. À chacun son destin. Comme San Fantoma, Manu Dibango. On fait tous le même travail, mais on ne peut avoir le même poste. À chacun son destin. Et pour qu'on ne le fasse pas, mais pas moi, monsieur. On danse sur le même rythme, mais on ne fait jamais le même rêve. Chacun son destin. Papa nous comme Victor, ouragan, chouette. Les moutons marchent ensemble, mais ils n'auront jamais le même prix. À chacun son destin. Le casier c'est à la c'est un bon moment. On fait tous la même chose, mais on n'aura jamais la même chance. À chacun son destin. Les dons nous n'avons pas qu'on honore à Douala. Nous sommes tous musiciens, mais on n'aura jamais le même succès. À chacun son destin. Monsieur Foucault aimait qu'on l'adore pour qu'elle avec toi. On fait tous le même travail, mais on ne peut avoir le même poste. À chacun son destin. Madame José Nadine en Belgique. Ma femme de Wau. Welcome to the Jumbo. Le noir paie, le rouge gagne. Vous savez quand les hommes ont l'habitude de dire ouh, tu m'as ouh, 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 tu m'as ouh, 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 ouh. J'ai vu comment les gens hier montraient le jujube en l'air comme ça là. Ne mangez pas seulement pour hier. J'espère que vous n'avez pas jeté, parce que beaucoup d'entre vous vont enlever les graines dedans et vont jeter le reste de jujube. Vont dire, le roi a dit que c'était pour hier. On ne prie pas Dieu que pour un seul jour. On ne réveille pas les ancêtres que pour une seule fois. On parle aux ancêtres chaque jour que chaque jour qui se lève. Le roi a dit la dernière fois que beaucoup se trompent. À chaque fois, ils voient la lune du jour et ils pensent que c'est la journée. Et voilà pourquoi ils se retrouvent toujours à marcher la nuit. Attends, Gandhi. Marche en journée. Ne confonds plus la lune et la journée. Peuple camerounais, je sais qu'il n'y a plus rien qui peut vous surprendre. Absolument rien. Rien de ce qu'on peut dire peut changer vos pensées. Rien de ce qu'on peut dire peut changer votre façon de vivre. J'ai dit la dernière fois que ceux qui sont morts à la falaise de Chang. En 2017, j'ai failli mourir là-bas, dans ce même falaise-là. Parce que la route de Douala-Bafoussam est totalement cassée et tout le monde est obligé de passer par la falaise. Mais je vous assure, quelqu'un qui conduit en Europe, qui va là-bas, il pense qu'il va conduire comme en Europe, malgré que la route là-bas est comme les routes provinciales ici. Je ne sais pas comment on dit ça peut-être en français, les routes secondaires. Mais ici, au moins, c'est un peu grand. Là-bas, c'est totalement serré. Donc, pour un petit dérapage, tu te retrouves soit au champ, soit ils te coincent. Et là, nous, ils sont coincés. Il n'y avait pas d'échappatoire pour personne. Alors, ils sont obligés de se briser comme des poulets. Tout ça, la faute revient à qui? La faute revient au gouvernement mendiant. La faute revient à ceux qui ne comptent rien pour nous. Qui ne pensent pas à nous et pensent juste à eux-mêmes. Alors, si la falaise vous a fait peur, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Vous allez vivre la falaise, la falaise, la falaise, et une fois de plus la falaise. Il n'y a pas une autre route. Il n'y a pas d'échappatoire. Je vous ai dit, la route du paradis, soit ça avait les pieds devant, soit tu refuses le paradis. Il n'y a pas de paradis où il n'y a pas les flammes de l'enfer. Monsieur Biadi, si je n'arrive pas à vous tuer par balle à Bamenda, je vais vous attendre ici. Combien d'accidents sur nos routes? Je vous ai parlé ici depuis la nuit des temps. Comment on pouvait faire pour se libérer? Mais beaucoup de Camerounais dans leur tête ont tellement peur de ce pouvoir et il y a un mot qui vous habite l'esprit, le mot terrorisme.
Nos parents, c'était des terroristes. Vous pensez que Maquisard, le nom a changé, c'est devenu quoi? C'est devenu terroriste. Alors, si on accepte d'avoir peur qu'on nous traite de terrorisme parce qu'on veut se libérer, alors vous avez totalement perdu le nord. Vous avez totalement perdu le nord. Aujourd'hui, de nos jours, vous voyez, on est en train de vivre la troisième guerre mondiale. Mais beaucoup de personnes ne sont même pas conscientes. On vit la troisième guerre mondiale dans quel but? Dans le but qu'ils ont fait la première guerre mondiale avec les balles. Ils ont fait la deuxième avec les balles. La troisième, ils ne peuvent plus s'attrever à le faire avec les balles parce qu'ils ont perdu beaucoup d'hommes. Vous savez comment on le fait maintenant? Avec les injections. Mais M. Biya ne pourrait pas être injecté parce que c'est eux qui tiennent le système. M. Biya est comme le garant du système. C'est vous, peuple camerounais, qui allez être injecté. C'est vous, le peuple noir, les sous-hommes, des gens qui ne savent pas se battre, les gens qui refusent même de se battre. C'est eux qui vont être injectés et c'est eux qu'on va diminuer comme population. Puisque d'abord, une population, vous ne servez à rien comme population. Vous ne servez absolument rien comme population. Aujourd'hui, on parle de la falaise. Après-demain, on va parler du colbatier. Et quand le colbatier, ça ne serait pas possible, on va revenir à la falaise. Vous allez mourir comme ça par centaines. La question que vous n'arrivez pas à vous poser, c'est que qui a fait que la falaise soit de cette façon-là? C'est M. Biya. Qu'est-ce que ça allait coûter d'élargir la route? Il ne l'a pas fait. Le camion d'essence qui est tombé, vous pensez que ça ne passe pas devant les autorités camerounaises? Non. Chacun est mendiant à son niveau. Chacun encaisse un peu. Si le Cameroun, le carburant veut, ça s'expose à Garoua. Ce n'est plus leur problème. C'est passé devant le contrôle. Il y a un contrôle de police au carrefour Bansoa. Il y a eu le contrôle de police au carrefour avant d'arriver à la falaise. Et là-bas même, c'est la gendarmerie même. Donc ça veut dire, cette personne-là, soit il sortait de Tchang, il traverse au moins deux contrôles, de ce que je connais, avant d'arriver à la falaise. Mais à la falaise, il a brûlé toute une population. Vous avez vu M. Biya parler de ça? Parce que vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. Alors, je vais vous expliquer encore toujours ce que j'ai toujours expliqué depuis ici. J'ai vu des gens taper sur moi que le direct d'aujourd'hui était devenu chier sur eux. Vous savez, quelqu'un ne peut pas chier dans son ventre. Quand vous chiez, vous allez retirer dehors. Mais j'ai reçu les instructions de ne pas parler de ça parce que je voulais chier sur vous. Je voulais vous mettre un à un. Je suis fatigué. Je suis fatigué du fait que vous ne voulez pas que la lutte avance. Vous tournez que sur place. On dit non, le chemin c'est par là-bas. Vous dites non, gang, c'est ici. Vous tournez que sur place, 1 an. Vous tournez que sur place, 2 ans. Et vous voulez embarquer tout le monde dans ça. Moi, je ne mange pas de cette sauce-là. Beaucoup d'entre vous, vous savez comment faire pour chasser M. Biya au pouvoir. Beaucoup d'entre vous, finalement, vous êtes que les services secrets camerounais. Beaucoup d'entre vous, en fait, dès le début, chacun voulait se faire voir. C'est pour ça que chacun d'entre vous portait des habits militaires, les chapeaux des gendarmes, sans concours de police. Mais même s'il y avait la détermination en vous, mais il n'y avait rien en vous. Parce que je pense que la détermination d'un être humain, ça monte, ça ne descend pas. Quand un être humain est fâché, mais la fâcherie se monte. Si tu n'as pas obtenu ce que tu veux, comment tu as réussi à te calmer? Vous avez réussi à vous calmer comment quand vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez? Vous avez vu les anglophones? Depuis 4 ans, je vous avais dit, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent et on va lutter comme ça, même s'il faut 50 ans. Même si c'est 50 ans, vous ne m'avez pas écouté. Tout ce qu'on tente de mettre sur pied, et le plus gros problème dans cette révolution, c'est que beaucoup d'entre vous, attendez un peu un instant. Parce que quand je parle là, ça chauffe dans moi. Il ne faut pas que ça chauffe dans moi, je finis par m'exploser. Voilà. Beaucoup d'entre vous ont changé l'idée de révolution. La révolution ne vous habite plus. Ce qui vous habite, c'est la haine. Vous confondez la haine à la révolution. Quelqu'un qui est haineux n'est pas révolté. Si vous voyez quelqu'un qui a la haine en lui, il ne peut jamais se révolter. Il a juste la haine. Parce que vous, tous les combattants qui étaient déterminés, mais 80% sont restés dans leur coin. Dis, ah, ce n'est pas ma chose à moi seul. Mais ce n'est pas ta chose à toi seul. Celui qui a voulu tenir le flambeau, est-ce que vous l'avez laissé continuer? Vous calez.
vous calez à chaque fois. Vous bloquez cette personne-là. Il ne peut pas avancer. S'il décide que suivant comme ça, non, tu ne le suis pas, tu ne sabotes pas, mais tu restes en silence. Ça veut dire que tu sabotes. Vous pensez que ne pas suivre quelqu'un et rester en silence, toi en tant que combattant, tu es quoi? Tu sabotes. C'est du sabotage. Tu dis, je ne suis plus là. Non, je ne continue pas. Non, je n'adhère pas à cela. Je ne soutiens pas ce que cette personne-là dit. Je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez, je vous ai dit depuis là, dès les premiers débuts de mes directs, je vous ai dit, si vous voulez, on fait un pari. Votre taux, c'est mon taux. On met dans un compte fermé. Si vous ne chassez pas bien, par le système que je vous ai donné, vous changez mon nom. Vous gagnez l'argent que j'ai mis. Parce que vous allez tourner au rond. Vous allez revenir dans mon système. Et c'est avec ce système-là qu'on va chasser, monsieur Bia. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent le même système que moi. Vous avez juste peur de dire que allons comme ça. Tous ceux qui ont dit qu'ils chassaient Bia depuis la nuit des temps. Mais toi, tu prends ton téléphone, tu les appelles. Tu dis, bon voilà, je pense que si on fait comme ça, on peut chasser monsieur Bia. Les mêmes personnes que tu as pris au téléphone pour les appeler, ils restent en silence. Même te répondent, ils disent, oui, je comprends. Oui, oui, je comprends. Je comprends. Quand tu raccroches le téléphone, tout le monde se tait. Tu te poses la question, tu dis, mais attends, vous voulez le chasser comment? Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas deux chemins. Regardez les Camerounais au Cameroun. Ils sont contents dans leur position. Vous avez commencé à les parler. Ils ont commencé à comprendre. Vous vous êtes endormi vous-même. Tu ne peux pas. Mais attends, attendez un peu, attendez. J'ai souvent l'habitude de prendre tous les âmes du village parce que c'est ce que je connais le mieux. Je vous ai même dit ici que pour mieux penser, pensez à votre langue maternelle. J'ai pris des exemples. Peut-être vous allez voir ça comme bidon. Mais à ta langue maternelle, pour dire 1000 choses, pour dire 10 trucs différents, on ne dit pas 10 façons différentes, on dit une seule façon. Je vous ai dit ici qu'on dit, on dit que tout. Chez vous, on ne connaît pas militaire, on ne connaît pas policier, on ne connaît pas le gendarme, que tout. Parce qu'il porte l'arme. Mais c'est des expressions parce que je veux que vous puissiez analyser comment les choses peuvent fonctionner. Et il y a un truc pour libérer les Camerounais qui n'est pas compliqué, qui est facile. Et il n'y a que la diaspora pour le faire. Il n'y a que la diaspora pour le faire. Si vous pensez un jour, dans vos rêves même les plus profonds, que les Camerounais peuvent se lever au Cameroun, mais vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé. Vous vous trompez sur toute la lignée. Si quelqu'un vous dit, je dis, même si c'est le professeur Maurice Kamto qui vous dit, les Camerounais vont se lever, ils vont se libérer, ils mentent. Vous avez compris? Si il vous dit ça, moi tête coloniale, je vous dis qu'il ment. On va libérer les Camerounais dans la rue. Vous ne pouvez pas vous réunir dans la rue. Comment? Par où? La rue est impossible. La rue est contrôlée par les trafiquants. Vous faites comment? Quand j'explique souvent des choses, je dis, mais négro, tu parles les mêmes choses une fois, deux fois, trois fois, mais ils ne comprennent pas. Mais non, vous savez ce qui m'anime toujours de vous parler? C'est quand mon patron dit que si le fou est pour toi, tu fais comment du fou? Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui a un enfant qui est fou, qui l'a jeté. Voilà pourquoi je continue à vous parler. Parce que vous êtes mes fous. Je considère que vous n'arrivez pas toujours à comprendre, ou soit vous avez encore la peur en vous. Mais je vais continuer à parler jusqu'à ce que cette peur-là va quitter en vous. Et on va finir par le faire ensemble. Si quelqu'un pense que je peux me décourager en ça, non. Si quelqu'un m'attaque sur Facebook, je n'aurai pas le temps pour le répondre. Parce que s'il vient pour le répondre, je vais juste le descendre, quoi. Et j'avertis comme ça à ceux qui sont en train de m'attaquer, soi-disant, oui, tu as saboté ceci, tu as saboté. Je n'ai jamais rien saboté. Je voudrais que vous me respectiez comme je vous respecte aussi. Vous avez compris? Tous ceux que vous êtes dans n'importe quel programme, je n'ai jamais attaqué aucun programme de ce que vous avez fait. Donc, si je parle dans mon sens de dire je ne participe pas à telle chose, respectez-moi comme je vous respecte. Je n'ai jamais appelé quelqu'un pour dire ne fais pas telle chose. Ou ne marche pas avec tel combattant. Je ne l'ai jamais fait. Et je ne le ferai jamais. Voilà, je voudrais que chaque personne d'entre vous ait le courage de me respecter comme je vous respecte. Vous n'allez jamais voir ici sur Facebook que je viens tirer sur quelqu'un ou sur quoi que ce soit. Non, je dis ce que je pense et je me libère. La lutte pour chasser M. Bia, il n'y a pas quatre chemins. Et le chemin, il y a un truc que vous n'allez pas comprendre. Beaucoup de Camerounais vont dire, on va aller saboter les trucs du gouvernement. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous allez saboter les trucs du gouvernement comment?
Si vous commencez la révolution au 237 et vous pensez saboter le gouvernement, ils vont tuer ça dans l'œuf. Vous avez compris? Ils vont tuer dans l'œuf. Mais la stratégie est simple. On commence par le bas, en haut, ils commencent à se bagarrer. Donc, en réalité, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Tous les combattants de la diaspora, vous ne combattez plus. Vous vous êtes calmés. Vous savez ceux qui sont en train de combattre maintenant? C'est dans le camp de Paul Biya même qu'on est en train de le combattre. La psychose est dans leur camp. Et on combat M. Biya dans les alentours. Vous pensez que les passeports qu'on jette dans les poubelles là, c'est fait au hasard? Non, c'est pas fait au hasard. Vous voyez ça comme s'ils ont fait le trafic derrière? Non, c'est pas fait au hasard. Tout ça, c'est pour sortir les fesses dehors. À chaque fois, vous mettez. On dit que c'est quand le vent souffle qu'on voit les fesses de la poule. Non, ils veulent monter comme ça directement. Que voilà les fesses de la poule que vous voyez là. Voilà ce qui se passe depuis que vous ne connaissez pas. Pour vous pousser à parler. Et ils savent qu'en parlant, monsieur est bien mal à l'aise. Voilà ce qui se passe. Mais beaucoup, ceux qui restent derrière, sont comme les chiens devant la télé. Disent, hein, donc, on a jeté les passeports. Donc, je cherche mon passeport depuis comme ça, alors qu'il y a les passeports. Non, il y en a toujours. Mais ils ont fait ça pour montrer comment le système fonctionne. Parce que vous allez comprendre quelque chose dans ce système-là. Dans le système de M. Biya, voici M. Biya qui est ici en haut. En bas de M. Biya, il y a une personne. En bas de cette personne-là, il y a une personne. En bas de l'autre personne, il y a encore une autre personne. Ainsi de suite jusqu'au dernier petit policier du quartier. Vous avez compris? Ça veut dire chez les narcotrafiquants, vous avez le grand qui est en haut. Vous avez Pablo Escobar qui se trouve en haut. En bas de Pablo Escobar, vous avez Popeye. Ça veut dire que vous ne pouvez rien faire sans passer par Popeye. Et quand Popeye ne veut pas que vous parlez au patron parce que ça peut gâter son affaire, Popeye vous élimine étant en bas. Pablo Escobar qui est en bas, en haut, n'a jamais vu ce qui se passe en bas. Parce qu'il reste en haut, il a confiance à Popeye. Et Popeye ne le raconte jamais ce qu'il a fait dans les coulisses. Voilà ce qui se passe avec le gouvernement Biya. Parce que c'est des narcotrafiquants. C'est exactement comme ça qu'ils procèdent. En haut, milieu, en bas. Nous, on ne peut pas attaquer en haut. Ce n'est pas possible pour nous d'attaquer en haut. Alors, on attaque en bas. Monsieur Biya lui-même va se rendre compte qu'il y a le mensonge qui se passe. Il va finir par chasser celui qui est à côté de lui. Et comme il chasse celui qui est à côté de lui, tout s'écoule. Peuple camerounais, je sais quand je parle des trafiquants, vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Chaque personne a sa place. Personne ne veut prendre la place de l'autre. Et personne ne peut prendre la place de l'autre. Le directeur du port gère le port. Le directeur du port ne gère pas les passeports. Il gère que le port, pas le passeport. Et entre eux, ils se font du trafic. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà un président. Quand l'année finit, il ne vous dit pas combien de dépenses on a fait. Le port a produit combien? Combien ça produit? Le chiffre d'affaires, c'était combien? La guerre se passe, on dépense combien? Rien, il ne dit rien. Mais ça ne vous inquiète pas. Et dans tout ça, on va me dire, non, oui, il y a les intellectuels. Vous êtes les intellectuels. Vous êtes les intellectuels. C'est eux, vous qui tuez le peuple camerounais. Parce qu'on a cru en vous. Vous savez, à l'époque, quand on était plus petit, le grand-père ne savait pas lire. Et chaque fois qu'il avait une lettre, il donnait toujours à un tonton là. Mais le tonton là, mais il lisait la lettre, il disait ce qu'il veut. Il lisait la lettre, parfois un truc, il sait bien que ça va énerver le grand-père. Mais il dit le contraire. Et le grand-père finit par croire en lui, parce que le grand-père ne sait pas lire. Il prend la lettre, il arrête. Il dit, Mba, il dit, papa, il dit, lis-moi un peu ça. On a dit quoi là-dedans? Mba le dit. Le même grand-père dit encore Mba que, dit que, Mba écrit. Dit que, Mba écrit. Mais le résultat, ce n'est pas ce qu'il a dit Mba. Je vous parle par exemple parce que, quand je rentre mon premier voyage au Cameroun, là, je sais déjà lire. Même si je lisais plus que l'espagnol, mais quand je lis le français, je comprends ce que ça veut dire. Mais je vois beaucoup de lettres qui me montrent que beaucoup, des anciennes lettres même, tout était faux. Tout le contraire n'est pas ce qu'il a écrit. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors vous ne pouvez pas penser qu'avec ce qu'on est en train de faire là, vous allez renverser ce régime là. Mais vous me faites rire. Vous me faites trop rire. Et je voudrais aussi que dans vos têtes, vous enlevez l'idée qu'on peut chasser ce gouvernement là sans travailler avec les membres de ce gouvernement là. Si vous faites ça, si dans vos idées, vous avez ça en tête, ça veut dire que vous vous trompez encore toujours. Je vous ai toujours dit, moi je fais une lutte qui est propre. Je ne fais pas, comment on appelle?
Je ne fais pas une lutte. En fait, je ne sais pas comment, je sais pas, les mots en français me manquent. Je ne fais pas une lutte avec la haine. Dans ce gouvernement-là, il y a des bonnes personnes qui sont là. Comme je vous ai parlé, il y a des bonnes personnes. Voici Paul Biao, voilà Ngongo, voilà Chantal, voilà. Mais il y a des personnes qui sont au milieu là qui sont bonnes. Mais lui, il n'a pas assez ici en haut. Tout ce qui veut parler à Paul Biya, on le dit, mon frère, reste à ta position et occupe-toi de ce qui te regarde. Il a peur. Il devient mendiant. Dans son esprit, il n'est pas mendiant. Et alors, avec la lutte décentralisée, ces personnes-là, on va les récupérer. Ici en haut, on n'a pas assez. Ici en bas, on attaque. Les personnes du milieu, ils deviennent avec nous. Vous ne me croyez pas? Je vous dis la vérité. Ça, c'est la vérité que je vous raconte. Je sais que beaucoup de personnes, oui, ah, qu'est-ce qu'il raconte là-bas? Qu'est-ce qu'il dit? Je vous dis la vérité simple et pure. La lutte décentralisée va permettre que chacun va à ses occupations. Je vais vous dire encore quelque chose ici. Qui est toujours vos comportements que j'ai pris la peine d'observer. Beaucoup d'entre vous. Parce que j'ai parlé ici beaucoup en parabole. Et je me suis rendu compte que mais j'ai perdu mon temps à parler en parabole puisque vous ne comprenez rien de ce que je parle codé. Absolument rien. Vous êtes 400 ou 500 personnes à me suivre, mais il n'y a personne qui comprend beaucoup de code. Le professeur Maurice Kamto va appeler Mamadou Mota, va le parler en coulisses et va rester dans son siège tranquille. Mamadou Mota maintenant, à son tour, il commence à récupérer la révolution fort fort. Beaucoup d'entre vous vont dire, j'attends que c'est le président élu qui parle. Si je mens, vous écrivez là que je mens. Beaucoup d'entre vous vont dire, ce n'est pas le président élu qui a parlé. Mamadou Mota est en train de vouloir écarter le président élu parce que vous ne comprenez rien. Parce que vous êtes totalement renfermé dans vous-même. Vous ne comprenez rien en stratégie, ni en lutte, ni en rien. À part de bavarder et crier, vous ne comprenez rien. Et quand je vous parle de la lutte décentralisée, c'est que vous puissiez comprendre. Mais je prêche au désert. Je prêche au désert. Je prêche au désert. Parce que même les personnes que j'ai parlé avec eux, tête à tête, expliquées de A à Z, s'ils sont les premiers à me trahir, ça veut dire vous qui êtes, vous êtes derrière les écrans, vous ne pouvez rien comprendre. Vous vous imaginez que Mamadou Mota commence maintenant une lutte décentralisée de son côté. Mais vous ne pouvez pas le suivre. Personne de vous ne va le suivre. Vous avez dit non. Il est en train de vouloir trahir le président élu. Non, 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 non. Il ne parle pas là. Pourquoi le président élu ne parle pas? Parce que vous n'avez pas compris. Vous savez, quand un vieux a son successeur, il protège beaucoup son successeur, mais en cachette. Parfois, parmi les enfants, c'est la personne qui gronde le plus. Parce qu'il veut sa réussite. Je connais de quoi il vous parle. Chaque fois, moi le petit truc, il dit, bah, moi le petit truc, fais ici. Regarde, tu ne comprends rien. Et ta tête là, il y a quelque chose ici qui te bouge. Parce qu'il a espoir à ce garçon-là. Il veut que demain son fils soit quelqu'un de meilleur. Mais j'ai compris que vous ne comprenez rien à cela. Chaque chose qu'on vous explique, vous ne comprenez rien. Mais de toutes les façons, après que je vais parler ici, beaucoup vont se rabattre sur un Kongoussa, torpiller tout ce qui est dans leur cerveau, rire et oublier. Parce qu'ils n'ont rien compris. Ça dépasse leur entendement. Peuple camerounais, on a toutes les possibilités pour se libérer. Je dis, on a toutes les possibilités. Je vous ai dit, dans tous les pays contrôlés par la France, n'attaquez jamais la capitale. Laissez la capitale à eux. Laissez la capitale. Le seul moyen pour se libérer au Cameroun, c'est la guérilla. Il n'y a pas deux solutions, il n'y a pas 4000 solutions. Il n'y a que le système de la guérilla. Vous savez, dans un pays, quand la population commence à dormir même à 19h, personne n'est à l'aise. Personne n'est à l'aise. Personne n'est à l'aise. Je vais vous expliquer un truc. Parce que quelqu'un m'a dit l'autre jour, d'être colonial, si on commence la lutte décentralisée là, ils vont créer le truc qu'on appelle autodéfense. Je vais vous expliquer un truc qui s'est passé, le truc de autodéfense. En 97, j'étais au village. J'étais encore petit, je pouvais avoir peut-être 10, 11 ans. Alors, il y avait tellement de bandits. Les bandits cassaient maison par maison. Ils entraient maison par maison. Mais vous savez aussi qu'au village,
Les maisons sont éloignées les uns et les autres. Ça veut dire que vous allez voir une concession ici. Peut-être la deuxième concession parfois se trouve même à 1 km ou à 900 mètres. Ou même 500 mètres. Alors, le sous-préfet est venu au village. Il a partagé les sifflets à tous les papas. Alors, on avait un voisin. Un jour, le voisin était peut-être à 500 mètres de nous. Il est à 500 mètres ou 900 mètres, plus ou moins. Les bandits sont arrivés chez lui. Alors, il a pris son sifflet. Il a pris son sifflet, il a fait pri, 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 pri. Mon grand-père qui est son voisin le plus proche, il s'est réveillé, il a pris sa part de sifflet aussi, il se met à la porte, à la fenêtre plutôt, pri, 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 pri. Il s'arrête encore un peu, il me dit, personne ne répond. Je dis que grand-père, mais continue à siffler. Il me regarde, il dit que... Il me dit, oh là, c'est mal, il a tué, oh, parce que même lui-même, il devait répondre encore. Vous savez, si on commence à lui décentraliser, dans les villages, les jeunes qui font partie de l'autodéfense, on aurait les renseignements sur eux. Ne vous inquiétez pas. Le gouvernement va faire le renseignement, nous-mêmes, on va faire le renseignement. Et on saurait comment ça fonctionne. Un jeune qui veut se libérer, quand on va l'expliquer le système, comment on devrait lutter, il va finir par se calmer, il ne va pas le faire. Et c'est encore les potentiels lutteurs. Mais si vous vous mettez dans la tête déjà que non, on va faire comme ça, on va nous cadrer, rien ne va nous cadrer. Parce que c'est une lutte asymétrique. Une lutte asymétrique, on ne sait jamais qui fait quoi. Je vous ai dit la dernière fois qu'à Bamenda, personne ne sait qui fait quoi. Le gouvernement dit qu'ils sont à Bamenda en train de chercher les terroristes, chercher tout ce que j'ai. Ils ne cherchent personne. Ils ne cherchent personne. Alors, si vous pensez à un seul moment qu'on peut se libérer, mais c'est le moment maintenant. C'est le moment maintenant. On commence à se préparer. On dit, alors on a perdu beaucoup de temps. Avant les grandes vacances, on lance la lutte. Avant les grandes vacances, dont les vacances de 8e mois. Parce que les vacances de 8e mois, les gens voyagent partout. On les oblige que chacun doit rester chez lui. Vous savez, quand les hommes sont sur place, ils ont le temps de penser. Mais quand les hommes font la fête, ils n'ont pas le temps de penser. Un homme qui fête tous les jours ne réfléchit pas. Mais un homme qui est sur place, il a le temps de dire, qu'est-ce que je fais maintenant? Non, je pouvais même lire un livre. Non, je pouvais même regarder qu'est-ce qui se passe. Mais pourquoi je suis à la maison? Et pourquoi? Mais si vous êtes dans la distraction, ces hommes-là ne vont jamais prendre conscience. Je vous ai dit que si on commence à lui décentraliser, tous les gens du gouvernement, vous allez comprendre les vraies faces des gens du gouvernement. Vous allez voir que ces gens-là voulaient le changement depuis. Mais il n'y avait pas possibilité. Vous allez voir qu'il y a plein de personnes. C'est parce que les gens n'ont pas confiance à vous. Je vous avais dit dans l'un de mes directs ici, quand le professeur Maurice Kamto avait lancé Suivi Cameroun, ça a tellement été lent pour cotiser. Et les gens ont dit, oui, c'est parce que les Camerounais, les gens mettent les 50 euros ou les 20 euros. J'ai dit, en réalité, chacun devait mettre 10 euros. Parce que les personnes qui ont mis les 5 000, les 8 000, les 3 000, les 1500, je connais un pauvre. Il dit, quelqu'un qui travaille comme ça, son salaire, tellement il était content pour ça, qui a mis 1500 euros dans la cagnotte. Mais j'ai dit, non, c'est pas ça le but. Le but de savoir que tous les Camerounais vont participer à la lutte, c'est que chaque Camerounais met 10 euros. Aujourd'hui, on a la même facilité. Vous savez, la lutte décentralisée, pour un début, c'est toujours difficile. C'est un groupe de personnes. Et après, ça embarque tout le monde. Vous pensez que dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est tous les anglophones qui voulaient lutter. Ce n'était pas tous les anglophones. Vous pensez qu'au Cameroun, là, c'est tous les Camerounais qui veulent le changement. Non. Il y a ceux qui ne veulent pas ce changement-là. Il y a ceux que ce changement-là, c'est leur système, ça les plaît à eux. Il y a même des personnes au Cameroun. Imaginez-vous un instant. Quelqu'un, un simple douanier au port, il sort par exemple avec une fille dehors. La fille n'est pas mariée avec lui. Il a sa femme à la maison. Mais cette fille-là, c'est lui qui paie le loyer à cette fille.
C'est lui qui nourrit cette fille-là. Alors, cette fille-là, elle le doit tout. Vous vous imaginez que vous allez parler à cette fille-là que vous voulez lutter, décentraliser, elle accepte. Non, non, elle ne peut pas accepter. Vous la dites qu'il faut le changement. Changement de quoi? J'ai souffert pour avoir cette vie-ci que j'ai. Je ne veux pas changer. Donc, il faut beaucoup de temps pour expliquer à cette personne-là que après le changement, 80% des personnes peuvent vivre mieux. Et elle va te dire que si, et comme le Camerounais est toujours intelligent, elle te dit que, et sur les 80 personnes là, 80% là, si je me retrouve sur les 20% qui vont souffrir. Vous comprenez? Elle est toujours en train de calculer. Alors, ces personnes là, on va les pousser à sortir de la maison. Elle va le faire sans vouloir. Elle le fait sans vouloir, elle sort. Les Camerounais sont assez intelligents, qui ne sont pas prêts à courir tous pour entrer au Nigeria. Ils ne sont pas prêts tous pour courir pour entrer au Nigeria. Alors, si on commence une lutte décentralisée, les Camerounais seront plutôt obligés de sortir tous en masse dehors. Et avec ce qui se passe dans toutes les deux autres régions, en ce moment-là, l'armée camerounaise n'aura pas la capacité de tirer sur personne. Parce que les gens vont sortir parce qu'ils ne veulent plus rentrer dedans. Les Camerounais auront la capacité de dire « Tuez-nous à bout portant ici dans la rue. » Nous, on ne veut pas que vous nous assassinez dans la nuit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire, si on est déterminé à lutter, on le fait. Si on n'est pas déterminé, alors chacun peut prendre sa carte du MSC. Puisque déjà, on dit que la base, c'est le MSC. Vous pensez que vous allez vous laver de ça jusqu'à sortir? Non, non, vous ne pouvez pas sortir avec. Chacun peut prendre sa carte de MSC. Et on se met de côté. Je pense que le système que je suis en train de vous expliquer ici, que même celui qui me déteste, quand il reste sur son canapé seul, il dit, ce qu'il dit là, c'est le seul moyen. Il n'y a pas un autre moyen. Quand vous allez voir qu'un camion qui quitte de Bafoussam, de Douala, n'arrive pas à Bafoussam, ce n'est pas le pauvre seul qui va pleurer. Hein. Même le riche va pleurer. Un camion de boisson, comme ils aiment bien boire, quitte de Douala, ça n'arrive pas à l'ouest. Vous savez ce qui va se passer? Vous avez vu la dernière fois quelqu'un crier au Tchapessi. Mais ceux qui vont même crier Tchapessi là vont dire, ils ont pris notre village pour faire leur lieu de défilé. Ils vont crier sur tous les toits. Et en ce moment-là, comme vous voulez qu'ils sortent pour manifester, vous allez appeler à la manifestation, ils vont sortir. Vous faites un planning. Vous appelez à une manifestation. Ils vont sortir tous. Mais si personne n'est inquiété, personne ne va sortir. Si personne n'est inquiété, personne ne doit sortir. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile à ce que j'explique? Beaucoup attendent encore que M. Biasor pour dire quelque chose, pour parler quelque chose. Non. Ce qu'il y a là, c'est que M. Bia, il est pratiquement mourant. Il n'a plus rien à faire, il n'a rien à cirer. Maintenant, M. Ngongo commence à aller voir les chefs traditionnels pour montrer que c'est moi le prochain patron. Yoweri, est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Et nos rois vont commencer à s'attacher à M. Ngongo comme leur futur patron. Je vous ai parlé la semaine passée comment le roi Sukunjo est abandonné à lui-même. Vous savez, dans une maison, tous les assiettes sont les plaques à sable. Mais il y a un plat en inox. Beaucoup de personnes veulent toujours manger dans le plat à sable parce que ça se voit beaucoup plus propre. Mais je pense que celui qui est intelligent va prendre le plat inox. Parce que même si ça tombe, il pourrait ramasser le plat et remanger avec. Mais le plat à sable va tomber et se casser. Je prie à Dieu que le roi Sukunju, Dieu nous donne encore longue vie pour qu'il puisse au moins nous parler. Parce que sinon, il va aussi partir avec l'histoire. Peuple camerounais, je ne veux plus venir faire les directs d'être trop long. Parce que j'ai envie qu'on fasse une lutte réelle. Vous savez, depuis que la révolution camerounaise a commencé, aucun membre de la brigade anti-Sardina n'a été tué. Malgré qu'on a chassé le trafiquant en chef, même en Europe, chassé les artistes, fui la distraction, aucun combattant n'a été tué. Aucun n'a été empoisonné. Si je suis le seul
à penser comme je pense, je risque de ne pas être à la prochaine conférence. Parce que ma tête serait mise à prix tout seul. Mais si pendant que je pense comme ça, on est 10, on est 30, on est 40, personne ne doit s'inquiéter. Et personne ne devrait s'inquiéter. Mais si à chaque fois, je viens vous expliquer comment on va faire pour lutter, et que vous n'êtes pas... Parce que ceux qui me soutiennent pour qu'on puisse faire cette lutte-là, je suis surpris que ce ne sont que des femmes. Dans un pays où les hommes disent qu'ils sont eux qui portent les pantalons, que les hommes disent qu'ils vont faire la polygamie, que les hommes se croient plus hommes, mais quand il s'agit de libérer un peuple, ils laissent la place à la femme. Vous me faites honte. Je n'ai pas peur. Je vous ai dit, tout ce qui me fait peur, c'est d'être fou. J'ai peur de commencer à marcher en route, parler tout seul. Mais je n'ai pas peur d'être tué ou même d'être emprisonné. C'est le moyen de mes soucis. Alors, je vous en prie. Je vous en prie. J'ai vu que beaucoup d'entre vous ont pris le jujube pour manger hier. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prié. Parce que beaucoup d'entre vous criaient seulement et je n'ai pas écouté des paroles de prière. Depuis la nuit des temps, on demande à M. Biya de nous libérer. Mais ça dépasse l'entendement de M. Biya lui-même. M. Biya n'a plus capacité de nous libérer. Je voudrais vous rassurer que ce n'est plus à son niveau. Notre libération n'est plus au niveau de M. Biya. Notre libération se trouve au niveau de Popeye qui est en bas. Parce que Popeye contrôle tous ceux qui sont encore en bas. Chacun contrôle son chacun. Chacun contrôle une personne. Et ça dépasse leur entendement. Ils n'ont plus la capacité de nous aider, peuple camerounais. Je voudrais que chacun d'entre vous, vraiment, arrête la bêtise. Arrêtez la bêtise. Je pense que même quand on est à l'école, on veut changer les salles de classe. On veut avancer devant. Même quand vous avez un permis de conduire, pour sortir à l'autoroute, vous roulez d'abord à 70-80. Vous avez peur. 2-3 ans plus tard, vous voulez rouler à 130-200 km/h. Parce que vous avez pris le système. Si on n'arrive pas à prendre ce système-là pour avancer, on tourne totalement au rond. Je vous ai dit, oubliez totalement le professeur Maurice Kamto. Si quelqu'un pense dans sa tête qu'il est révolutionnaire, le professeur Maurice Kamto passe de temps en temps dans vos esprits, comme Thomas Sankara passe de temps en temps dans vos esprits, comme Patrick Lumumba passe de temps en temps dans vos esprits, comme beaucoup d'entre vous à l'imagination d'être Ernest Wandji. C'est comme ça que le professeur Maurice Kamto va passer dans vos esprits. On ne va pas dire ouais Oumnyobé, ouais Ernest Wandji, restez assis. On dit non, ces gens-là pensaient la lutte. Je voudrais penser un peu comme eux. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Pourquoi ils demandaient l'indépendance comme ça? Peuple camerounais, c'est de cette façon-là qu'on va penser. Et je pense que si on pense comme ça, ça va aller mieux. Vous savez, chaque personne pense à la mort. Mais si tu commences à partager ta vie avec la mort, la mort va dominer, tu n'auras plus de vie. Le peuple camerounais souffre. Et c'est à force de souffrir, autant de souffrances, qu'ils ont fini par croire que c'était normal. Vous savez, quelqu'un, à chaque matin qui se lève, on le minote. Mais quand il se lève parfois un matin, on le minote pas, il est surpris. Parce qu'il a l'habitude d'être minoté tous les matins. Il ne faut pas que on crie ici et qu'à la fin, on n'arrive à rien faire. On ne peut rien faire au Cameroun sans parler de l'argent. Vous savez, le Covid est venu, qui était la troisième guerre mondiale. Ça ne fait que tourner jusqu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, on ne perdait pas autant de temps. Quand on sortait un vaccin, pour tester vite fait, on prenait l'hélicoptère, on atterrissait en Afrique. On partait au nord du Kivu. On arrêtait les premiers noirs qui passaient, on injectait sur eux. Pendant qu'ils se comportent comme des singes, on regarde la réaction. Aujourd'hui, le monde a changé. Le monde a changé. Ça veut dire, le vaccin est là. Il faut tester le vaccin.
on teste sur qui? Parce qu'aujourd'hui, le blanc a fabriqué le téléphone. Il a donné le téléphone aux villageois. Et quand un villageois découvre la ville, c'est toute la République qui est en danger. Vous vous imaginez des docteurs blancs arriver dans mon village, dire qu'ils veulent injecter les enfants. La maman qui est au quartier va prendre sa caméra, va graver, va dire « Négro, regarde ce qu'ils sont en train de faire ici. » Et je serai obligé de sortir ici pour crier. Vous avez compris? Un villageois qui découvre la ville, c'est toute la République qui est en danger. Ils ont voulu gagner beaucoup d'argent. Ils ont fini par nous laisser avec la connaissance. Et aujourd'hui, ils sont incapables de faire ce qu'ils ont toujours fait. À chaque vaccin qui va sortir, ça serait plus difficile. Chaque petite maladie qu'ils vont fabriquer, ça serait plus difficile de le prouver. Parce que leurs populations ne vont pas accepter. D'ici quelques jours, vous allez voir dans les rues de l'Europe, ça serait bondé de monde quand ils vont dire que le vaccin est devenu obligatoire. Pour le moment, si tu as mal au pied, tu vas à l'hôpital, ils vont d'abord profiter d'injecter une fois. Si tu ne veux pas qu'on t'injecte, tu sors de l'hôpital. Si tu travailles dans un coin, on va dire on va d'abord t'injecter. Voilà les petits calés qu'on fait aux êtres humains. Mais à l'époque, on ne faisait pas ça. À l'époque, comme ça a commencé comme ça, comme ils ont dit que les cadavres devaient jonger les rues de l'Afrique, ils devaient aller en Afrique nous injecter tous. Alors ils devaient voir que ça fonctionne. Et ils vont revenir maintenant chez eux avec le bon produit. Quand on parle d'éliminer les hommes dans le monde, on parle d'éliminer les sous-hommes. Les sous-hommes, c'est les seuls qui accouchent 5 enfants, 10, 12, 8. Les hommes à la peau du blanc, les hommes qui ont la peau de Dieu, n'accouchent pas beaucoup. Alors c'est les qui qu'on veut éliminer? En bon français, on veut vous éteindre. On vous a déporté plus de 400 ans d'esclavage. On ne vous a jamais demandé pardon. Mais les autres ont fait quelques jours. On les a demandé pardon et il y a les monuments partout. Sous-hommes, préparons-nous un jour à rentrer chez nous. Parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. Personne ne le fera pour nous. Aujourd'hui, chaque Camerounais, hormis d'avoir la haine contre M. Biya, devait avoir pitié de lui. Parce qu'il ne vaut plus rien. Il ne vaut plus rien, même pas un légume. Il est pris lui-même en otage. Et c'est à nous. Quand on va se libérer, même lui-même, il va se libérer. Chacun doit se libérer. Arrêtez d'être tous les jours RP. RP. Oui, on a tué encore les enfants là-bas. Oui, on a encore fait comme ça. Mais préparons-nous à tous nous tuer. De cette façon-là, beaucoup de personnes pourront se libérer. 4 ans de guerre, on n'a rien copié. 2 ans de lutte en diaspora, on n'a rien copié. Ça veut dire même si on fait 50 ans de lutte, vous n'allez rien copier. Vous n'allez rien copier. Peuple camerounais, la balle est dans notre camp. Laissez les politiciens. Le professeur Maurice Kamto fait déjà sa lutte décentralisée. Le MSC fait déjà sa lutte décentralisée. Notre lutte décentralisée, c'est quoi? Alors, on a commencé à Théâtre. On a chassé M. Biya à Genève. On est arrivé sur Théoto. On a chassé les artistes. Les ministres ont pris peur. Ils ne sont pas venus en Europe. Vous pensez qu'ils ne voyagent pas? Donc, on est resté comme des chiens qui attendent le rat qui va sortir du trou. Non, on doit creuser le trou. Creusons le trou pour les attraper plus loin dedans. Si on commence la lutte décentralisée, 2 mois après, M. Biya doit appeler le dialogue. Je sais que beaucoup d'entre vous ne me croient pas. 2 mois après, M. Biya dit, dialoguons. Vous n'êtes pas content quand on dit cessez le feu ou que arrêtez tout. Vous êtes compté parmi. Vous êtes compté parmi eux, ceux qui ont célébré cela. Ne pensez pas que le peuple anglophone est fou. Hein? Quand on dit north is north. Mais beaucoup de personnes ont tous les jours à donc, je suis fatigué, je ne peux plus. Mais tu ne peux plus. Tu ne peux plus, mais tu fais quoi pour changer de ce que tu ne peux plus? Tu as un seau d'eau sur la tête. Tu dis, ça me pèse autant. Mais descends le seau d'eau si ça te pèse. Non, chaque jour, vous trouvez des refuges dans des trucs bidons. Vous allez instaurer des programmes. Faites des réunions tous les jours. Oui, rendez-vous demain à telle heure pour parler des pépettes, pour parler des trucs qui ne vont résoudre à rien. Je n'ai pas envie de me fâcher, s'il vous plaît. J'ai envie qu'on fasse une lutte organisée. Vous savez, parmi nous, il y a toujours des personnes qui vont être prêtes au sacrifice. Je vous ai dit que je suis le mouton qui foudrait. Vous avez compris? Je suis assez gros et j'ai beaucoup de graisse. Donc, je suis le mouton qui fout. Préparons-nous pour qu'on puisse se libérer. Si on se libère, chacun serait content.
Et je vous donne rendez-vous que si on fait la lutte décentralisée, avant 2025, on va embastiller tout le monde. Tous ceux qui sont en diaspora, on va leur dire de rentrer. Personne ne serait inquiété. Mais si on ne fait pas la lutte décentralisée, quand les mêmes gens vont reprendre le pouvoir, ils vont nous bloquer en exil. Vous avez compris ce que je veux dire? On doit les pousser à nous respecter. Pour le moment, ils nous considèrent comme des personnes qui font juste du blabla. Et quand on veut commander, on veut faire une lutte, on ne cotise jamais l'argent sur Internet. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Vous savez pourquoi le blanc n'aime pas l'argent qui passe au noir? Il n'aime pas. Parce qu'avec l'argent que vous gagnez au noir, vous faites ce que tout est permis. Tout est permis, vous faites ce que vous voulez. Le peuple camerounais souffre. Et au Cameroun, on a des potentiels combattants. On a les gars, parce que ce que vous oubliez, c'est que l'avantage de la lutte décentralisée, il y a les gars au Cameroun, si tu l'appelles maintenant, tu le dis, mon petit, voilà, je voulais qu'on fasse le combat, nous on est en train de recruter les combattants. Il ne va jamais accepter. Hein. Il va te dire, hey père, le bille ici tape dur. Hein. Hey père, tu sais que, mais c'est un grand bandit. En fait, pas bandit, il n'est pas un bandit. Ceux qui volent les mamies, on les appelle quoi? Voleurs? Bandits? Non, c'est un voleur. C'est un grand voleur. Maintenant, quand vous faites la lutte décentralisée, qu'est-ce qui va se passer? Ce jeune garçon qui vous a dit que ça ne l'intéresse pas, lui avec ses amis, ils vont voir un magasin qui est en feu. Ils vont entrer pour voler. En réalité, ceux qui vont faire la lutte décentralisée ne seront jamais inquiétés. Le bille va arriver au quartier pour chercher ceux qu'ils ont en train de faire. Les premiers gens qu'on va chercher, c'est les petits bandits. C'est les petits bandits. Et ces mêmes bandits-là vont créer la pagaille. Je vous ai dit, beaucoup de journalistes disent qu'au Cameroun, on a 25 millions d'habitants. On a 27 millions d'habitants. C'est une estimation. Depuis plus de 24 ans, on n'a pas fait le recensement. Vous êtes combien? Tous les Camerounais qui sont nés en 84, 85, 87, 88, même jusqu'à 95, chacun d'entre eux a au moins 3 enfants. Imaginez-vous que depuis 95, 96, on n'a jamais fait le recensement. Vous imaginez une fille, j'ai un exemple simple. Une fille camerounaise qui est née en 95, elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 26 ans. Vous pensez qu'elle a combien d'enfants? Ces enfants-là ne sont pas comptés comme millions d'habitants. On est beaucoup plus nombreux que ça. On est beaucoup plus nombreux que ça. Et si on fait une lutte décentralisée, chacun va se sauver. La lutte décentralisée que je vous dis là, c'est un truc facile. Je ne fais que vous dire que c'est facile. Si on commence, vous allez me dire, ah nègre, tu avais raison, c'est facile. Mais je vous ai dit, si je suis le seul à parler de ça, ça veut dire que le gouvernement camerounais ne va pas attendre que la lutte commence. Ils vont dire, en réalité, tous les autres Camerounais sont tranquilles. Celui qui dérange le plus, c'est d'être colonial. Cherchez-moi cette dette coloniale-là. On est parti à Genève chasser M. Biya. Les services de renseignement du Cameroun ou les amis de Biya n'ont jamais pu attaquer quelqu'un d'entre nous parce qu'on est nombreux. Mais depuis un an, celui qui parle de la lutte décentralisée et comment on doit faire pour chasser M. Biya au pouvoir, je pense que ce n'est que moi. Parce que le reste, c'est que Paul Biya Mosgo, mais comment? Vous pensez que si Paul Biya Mosgo, il va partir? Il part où? Ce n'est pas son pays, c'est son pays. Vous allez plutôt dire que Paul Biya doit être chassé et arrêté. Donc vous voulez, vous creusez le rat. Vous êtes prêt à l'arrêter. Vous voulez qu'il soit fui. Mais attends, c'est ça. Paul Biya doit être arrêté et jugé. On ne peut pas tuer plus de 14 000 Camerounais. Et la personne part comme ça.
Donc, vous voulez faire partie pour Biakko et Dinami dedans? Il va aller dans un autre pays. Il va vieillir là-bas, vivre sa vie tranquillement et mourir. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça marche pas comme ça. Tout ce qu'on fait dans la vie, il y a une facture à payer. Moi, ce que je parle ici aujourd'hui, demain, je peux être jugé pour ça. Vous avez compris? Ce que je dis ici sur Internet, demain, je peux être jugé pour ça. Alors, ce qui sort de ma bouche doit être des choses que je peux assumer demain. Je ne peux pas parler de ce que je ne peux pas assumer. Moi, je vous ai dit depuis la dernière fois que même si on enterre Paul Biya quelque part, mon rêve c'est de le déterrer. Vous pensez que je parle ça avec les mots en l'air comme ça? Je ne dis pas les mots en l'air. C'est mon rêve, c'est mon souhait. Parce que quelqu'un qui dort dans un hôtel, il paye 40 000 francs suisses tous les jours, alors qu'un puits d'eau, un forage, peut-être avec 3 000 euros en tant que gouvernement, il peut le faire dans tous les villages. Dans toute la ville, dans toutes les capitales. Il n'arrive pas à le faire, mais c'est quelqu'un qui il ne mérite pas d'être enterré sur la tête de la terre de mes ancêtres. Vous pensez que ceux qui vendent les os humains là, si j'amène l'os de Paul Biya, il dit, c'est le mot plate de Paul Biya, la personne ne va pas me payer plus. Je voudrais que à chaque fois que vous pensez, parlez, vous pensez bien. Peuple camerounais, je sais, la peur et l'oubli vous habitent. La peur et l'oubli vous habitent. Mais je pense que ce n'est pas à force de manger le jujube que je serai protégé. Vous savez pourquoi j'ai la ferme conviction que je suis protégé? Parce que celui qui m'a élevé m'a dit d'être vrai. Il m'a dit le seul truc que tu dois avoir dans la vie, mon fils, tu dois être vrai. À chaque fois que tu penses, ne conseille pas à quelqu'un ce que tu n'es pas capable de le faire. Sois vrai, mon fils. Et j'étais content quand il me disait, tu sais pourquoi je t'aime beaucoup? Il dit non. Il dit parce que tu es vrai. Donc un homme qui a même fait pratiquement 10 ans de sa vie sans plus me voir, mais je viens auprès de lui, il me dit qu'il aime, il m'aime parce que je suis vrai. Quand je vous regarde tous, j'ai pitié parce que parfois je dis non, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Le peuple camerounais n'a pas la capacité de sortir de la maison pour aller marcher. Si vous voulez, vous mettez même le président Maurice Kamto en prison, même pour 10 ans de plus. Ils n'ont pas de capacité de dire qu'ils vont sortir, soit manifester contre pour ça. Ils ne peuvent pas. Vous avez vu la dernière fois, c'est les femmes qui sortaient pour revendiquer qu'on le libère. Les hommes étaient cachés. Et le gros problème qu'on a, c'est que les hommes sont devenus les mendiants. Les hommes ne sont pas mendiants parce qu'ils veulent. Quelqu'un m'a dit la dernière fois que pourquoi j'ai dit que, j'ai dit dans mon direct que si on me mettait à la place de Célestin Djamène, je devais me comporter exactement comme lui. Il me dit non, il aime bien écouter mes directs, mais là-bas j'ai fuck up. Je l'ai dit à lui. Celui qui appelle quelqu'un fou, c'est parce que dans sa tête psychologiquement, il pense qu'il est normal. La personne pense différemment que vous. Et comme vous pensez que vous êtes supérieur à lui, à la pensée, vous le traitez de fou. Une personne qui n'a pas de quoi manger est prêt à tout. Il dit qu'il est prêt à tout. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui n'a pas à manger, pour faire quelque chose, il mesure les conséquences? S'il a le temps de mesurer les conséquences de ce qu'il veut faire, ça veut dire qu'il n'avait pas faim. Si je vous dis ce que la famine peut faire, pour les personnes qui sont rassasiées, ne peuvent pas croire. La famine, un ventre vide, peut vous faire les miracles. Et quand vous arrivez devant ces personnes-là, ils vous disent vraiment je suis désolé, mais vous ne le croyez pas. Puisque toi qui le poses des questions, tu es rassasié. Ce qu'il est en train de raconter, tu ne peux pas le croire. Mais comme Dieu n'est jamais là pour parler, il n'y a que la justice des hommes. Ceux qui n'ont pas capacité de se défendre et qui n'ont pas de protection sont condamnés. Mais au Cameroun, le peuple camerounais est condamné à perpétuité, sans jugement. Et chaque matin, il se lève
ils savent où vit le juge. Mais ils sont incapables d'aller, de marcher vers où il y a le juge pour dire, monsieur le juge, revoyez notre jugement. Vous ne nous avez pas laissé avoir un avocat pour plaider pour notre cause. Le professeur Maurice Kamto est arrivé aujourd'hui comme l'avocat du juge. Vous voyez que même l'avocat est menacé. Et quand l'avocat est menacé, les mêmes personnes qui sont derrière, oui, non, on attend le professeur Maurice Kamto. Et vous voyez un avocat, votre avocat est condamné d'abord lui-même. Et vous attendez, vous continuez toujours à attendre qu'il va venir plaider pour votre cause. Ce que je parle là, ça c'est mes pensées peut-être à moi, peut-être je suis fou. Considérez-moi comme un fou avec toutes les analyses bidons qui sont en train de donner. Mais c'est ce que je pense. Je pense que je vais continuer à faire confiance à mon avocat. Mais je vais trouver un autre moyen, soit de m'évader, soit même de me suicider. Parce que déjà l'avocat que mon espoir devait être posé sur lui, lui-même il est condamné. Peut-être si je suis libre, je pourrais libérer mon avocat. Peuple camerounais, je vous aime bien. Mais je fais 1h17 de direct ou 1h de direct. Je pense que j'ai quelqu'un ici qui a demandé dans un commentaire. Je vais lire le commentaire. Je n'ai pas l'habitude de lire les commentaires. Il a demandé, il y a combien de tribus avez-vous? Voilà, je voulais répondre. Je vais répondre un peu à cette personne-là. C'est une belle question. Angola, Angola, ne perds pas ton temps à le répondre. Parce que même sans temps, tu ne pourrais pas le convaincre. Je vais le répondre. Quand quelqu'un dit qu'il y a combien de tribus avez-vous? Ça veut dire... Je vais vous expliquer quelque chose. Voici un verre d'eau. Voici un verre d'eau. Vous voyez que l'eau. Il n'y a que l'eau dedans. Mais je peux faire la frontière avec l'eau aussi qui est dans ce verre. Mais pour que je fasse la frontière avec l'eau qui est ici dedans, il n'y aurait pas de frontière. Vous ne pouvez pas voir la frontière. Je vais vous montrer un petit truc. Regardez. Je n'ai pas été à l'école, hein, mais croyez-moi, regardez. J'ai encore ajouté de l'eau. Il n'y a pas toujours de frontière. Mais maintenant, si je vais à la cuisine, je cherche de l'huile, je mets l'huile ici, au-dessus, il y aura une frontière entre l'eau aussi et l'huile qui sera en haut. C'est la nature. Alors, celui qui a posé la question tout à l'heure, si lui pense que je viens d'ailleurs, ça veut dire qu'il y a une frontière entre moi et lui. Mais l'expérience de vie, et vu la souffrance dans laquelle on a été élevé, si je le dis, si je dis à cette personne-là que l'humain va lutter sans s'en rendre compte, il ne me croyait pas. Parce qu'étant aveugle, comme lui il est là, c'est la première personne qui va commencer à lutter. Vous savez, la lutte décentralisée, quand je parle, les gens ne comprennent pas. C'est des personnes comme ça, et ça c'est des questions pertinentes. Quand ils me demandent que, il y a combien de tribus avez-vous? Alors, il m'a déjà mis à quelque part. Vous pensez que les gens comme ça font? En fait, ils me donnent plutôt le courage de lutter. Ils me donnent plutôt le courage de lutter. Je veux un Cameroun. Je vous ai dit la dernière fois. On a dit, derrière les passeports camerounais, on dit République du Cameroun. République of Cameroun. Le Cameroun n'est pas une république. La même personne là, si je le donne rendez-vous de parler ici, vous allez voir comment il va s'égarer, il va se perdre. Et je vois même, il écrit même bien. Il a bien écrit en français. Ça veut dire qu'il a même fréquenté. Mais si l'école et le tarot qu'on a allé piler dans vos têtes, je ne fais pas partie de cela. Vous avez compris? Merci beaucoup. On a échangé pour aujourd'hui. Non, je ne réponds pas à Angola, Angola. Je n'ai pas envie de prononcer le nom de cette personne. Prononcer son nom, c'est pour moi quelque chose que je ne voudrais pas. Alors, peuple camerounais,
on a échangé aujourd'hui. Je ne veux pas être long parce que si je parle beaucoup, ce n'est pas en parlant beaucoup que vous allez comprendre. Ce n'est pas en parlant beaucoup que vous allez comprendre. Si je parle peu, je sais que vous allez comprendre. Ce n'est pas en parlant beaucoup que vous allez comprendre. Voilà. On se dit au revoir. Rendez-vous la semaine prochaine, le dimanche. Je viendrai toujours le dimanche. Faire le direct. Je viendrai tous les dimanches faire le direct et on va continuer à parler. On ne va pas se fatiguer. Et ceux qui ont l'habitude de faire le direct pour parler au peuple camerounais, il faut bien choisir les mots. Il y a beaucoup de vos frères qui n'ont pas de giga. Et quand vous parlez de ce qui ne va pas entrer dans leur tête, ils risquent de tout oublier. Donc, je voudrais que chacun d'entre nous calcule bien ses mots. Vous bénissez tous et qu'on se rencontre dimanche prochain. Pendant ce temps, on continue à travailler, mais il faut que le travail de maintenant soit beaucoup plus intense si on veut se libérer. Je vous aime bien. Quitte, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Quand je parle de mes ancêtres comme ça, beaucoup de personnes parmi nous ont toujours peur qu'il va être volé, qu'on va le voler. Non, les Camerounais vont faire ceci, rien ne va aboutir à cela. Je fais aussi partie de ce genre là. Quand j'étais plus petit, j'ai un oncle qui m'a donné un billet de 2000, qui était mon premier billet de 2000. J'ai pris l'argent, je suis allé cacher. Le moment de cacher le billet, nous on avait un chien à la construction. J'avais un chien quand j'étais petit. Et ce chien-là, il me regardait comme ça. Je l'ai regardé, il dit, donc tu me regardes. J'ai changé la place pour garder l'argent. Je suis allé dans la maison du grand-père. Vous savez, toujours à l'ouest, il y a toujours la maison du père. Et à la maison du grand-père par de l'autre côté. Je suis allé par là-bas pour vouloir garder. Il était à côté du feu. Tu sais que les vieux, souvent, quand il y a les flammes, quand les flammes s'éteignent sur le feu, il y a toujours un peu de fumée qui sort là. Le gars, il en a me regardé comme ça. Il fait comme s'il dort, mais je vois qu'il y a un côté d'œil qui est ouvert. Je l'ai regardé comme ça. J'ai dit que non, le vieux, s'il en a me regardé, il faut que je change la place de mon billet. La famille, j'ai tellement changé la place de ce billet-là que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais trouvé le billet de 2000. Donc, mon espoir, c'est que si M. Biya part du pays, je pourrais rentrer au Cameroun et chercher mon billet de 2000. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain.